Ouch. Un peu plus. Cinéma. Sur Internet. Salut, bienvenue parmi moi. Non, non, ça fait rien dire. Non. Salut, bienvenue sur Read and Pass. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de juillet. Que ce début d'août commence bien malgré la canicule. Et Dieu sait que j'emmerde cette putain de canicule de merde. Trois fois que j'essaye de faire cette putain de vidéo et que cette chaleur me tue. Soit parce que j'avais fermé les volets, il n'y avait pas assez de lumière. Soit il faisait trop chaud donc j'arrivais pas à parler. Franchement, insupportable. Alors, pour ce quatrième épisode de. Les LCR. C'était bizarre de dire ça. Quatrième épisode des LCR. Nous allons parler d'une série qui m'a fait mon week-end. Là, par contre, heureusement que c'était là, parce que j'ai pu passer un week-end chill, un week-end à regarder des séries sur Netflix, et entre autres celle-ci, et elle m'a tué. Bien entendu, je parle de Good Girl. Alors je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est sorti en France le 3 juillet 2018 sur Netflix pour les pays francophones, donc je pense que c'est Belgique, France, Suisse, enfin tous les pays qui parlent français, quoi. Nous avons eu le plaisir, francophones, de découvrir cette série qui est sortie aux États-Unis en février 2018, donc il y a quand même plus de 6 mois déjà maintenant. Et franchement, j'étais sur le cul. Elle a été écrite par Jenna Bans, une scénariste qui a fait quelques séries comme celle-ci et celle-ci. Rentrons dans le sujet, cette série raconte les aventures ou les mésaventures, ça dépend du point de vue dans lequel on se pose, de trois jeunes demoiselles, femmes, mères au foyer, qui vont voir leur destin complètement partir en vrille parce que elles sont dans la merde, elles ont besoin de thunes, donc elles vont devoir faire quelque chose qui va les foutre un peu dans le caca. Franchement, le pilote est sorti, j'ai été sur le cul, un pilote de qualité, vraiment un truc très très propre, et en fait ça m'a happé. Pourtant, les épisodes font en moyenne entre 40 et 45 minutes, c'est quand même des gros épisodes, c'est dense. Ce format là, ça fait un certain temps qu'habituellement ça m'a un peu épuisé et j'aurai plus trop des trucs comme ça. Mais là, franchement, 10 épisodes comme ça, percutant. J'en ai regardé 5 samedi, 5 dimanche, ça m'a fait mon week-end. Et putain, franchement, je vous dis les gars, allez voir cette série parce que elle vaut le coup. Alors, oui, on suit les aventures de Bess Bolland, de Annie. Enfin, ça veut plus Bolland puisqu'elle était mariée avec. Ah, c'est peut-être qu'elle a repris le nom Bolland, mais on ne parle pas de son nom de famille. Et de Ruby, trois jeunes femmes qui sont amies, qui ont toute une vie plutôt fade et difficile. Alors, pour Bess, elle est bloquée dans un couple où en fait le mari est volage et en plus ça, il a dilapidé toute la thune de toute la famille, c'est-à-dire qu'il se retrouve à deux doigts de la banqueroute, hein, de se retrouver à la rue. Il y a Annie qui est une mère célibataire qui essaye de garder la garde de sa fille et qui taffe dans un supermarché en tant que caissière avec un patron qui est un gros enculé qui mériterait des grosses tartes dans la gueule, limite un peu catho, extrémiste. Et la dernière, c'est une serveuse qui travaille dans un bar, enfin dans un diner américain. Et sa fille, à Ruby, est atteinte d'un... Non, pas d'un cancer. Est atteinte d'un problème au j'ai l'impression que la caméra n'est toujours pas très droite. Voilà. Et donc, Ruby doit trouver de l'argent pour pouvoir permettre à sa fille d'avoir une nouvelle greffe, parce que là-bas aux États-Unis, les greffes, c'est pas gratuit. Donc ces trois femmes se retrouvent, toutes les trois, dans une merde financière mirobolante. Beth, parce que son mari est un con. Gentil con, mais il est con. Annie, parce qu'elle veut garder sa fille, donc il faut qu'elle paye des avocats, ce qui est compliqué et qui coûte quand même une blinde aux États-Unis aussi. Et Ruby, elle doit aider sa fille. Franchement, ouf, quoi. Vous allez dire encore un mélange des genres chelou. Ben oui, non, mais c'est pas la faute. J'aime bien ces trucs-là. Après Santa Clarita Diet qui mélangeait Desperate Housewife avec des zombies, là, avec Good Girl, nous sommes un mélange entre Desperate Housewife qui rencontre un Breaking Bad, tu vois. Ça fait prrr, comme ça et ça fait Good Girl. Et franchement, la série est folle. J'ai kiffé. Alors, elle est diffusée sur NBC. Elle faisait en moyenne 4 millions de spectateurs par épisode. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt même très bien pour une petite série comme ça, sans trop grande prétention. C'est produit par Universal Television. Et puis voilà. Donc, non, franchement, l'histoire est plutôt cool. Les personnages sont bien. Alors, on pourrait croire qu'une série où, en fait, tu aurais une série que de meufs, les rôles masculins seraient mis de côté, comme ça arrive régulièrement avec des séries de mecs et les meufs sont mis de côté. Mais en fait, pas du tout. Là franchement, les meufs sont ultra efficaces. Elles ont des caractères de folie. Elles se débrouillent hyper bien. Ça joue bien. Ruby, c'est l'actrice, c'est... Je dis Rita, mais je crois que c'est Reta. Parce que
parce que c'est R-E-T-T-A. C'est une stand-upeuse américaine qui fait du stand-up. Donc, de base, son jeu est ultra naturel. C'est-à-dire, quand elle joue, elle est ultra naturelle, ultra efficace. Elle est ultra attachante. Elle est, en plus, c'est celle qui a le dessin familial le plus triste, parce que c'est la seule des trois qui, elle a un vrai risque. Sa fille est vraiment malade de quelque chose qui est vraiment grave. Annie, super bonne surprise. Je ne connaissais pas cette actrice. C'est Mae Whitman. C'est écrit bizarrement Whitman. Au début, c'était pas celle qui m'intriguait le plus. Et à la fin, tu fais putain, mais en fait, elle est trop forte. Elle est drôle, elle est émotionnelle, elle est plein de choses. Elle est vraiment bien. Et la dernière, c'est Beth Boland, Christina Hendricks. Elle a joué dans Fireflies, dans Angel, le remake masculin de Buffy. Et tout ça. Tu vois vraiment bien, en fait, la chute. C'est pour ça que je pensais aussi à du Breaking Bad, parce que c'est vraiment la même mécanique. C'est des personnes normales, classiques, qui vivent comme tout le monde, qui du jour au lendemain sont confrontées à une situation qui les force à changer, à force à prendre des décisions qui va les pousser à partir en vrille totale. Et entre autres, chuter dans le crime. Enfin, chuter dans le crime, non, parce qu'en fait, c'est une chute sociale, mais t'as une ascension dans le crime. C'est un peu une sorte de courbe bizarre. Et franchement, c'est ouf, quoi. J'aime beaucoup. Alors, la série, le pilote est méga ouf. Franchement, quand ça commence... Ah, mais oui, mais je suis con, j'ai même pas expliqué ça, je suis débile. Le principe, c'est qu'elles ont plus de thunes, plus rien, et qu'à un moment, elles se décident de braquer le supermarché dans lequel Annie, la caissière qui doit garder la garde, enfin qui doit préserver, enfin qui cherche à pas perdre la garde de sa fille, ils braquent ce magasin-là. Ils veulent au départ récolter une trentaine de 30 000 $, tu sais, 10 000 $ chacun, parce que Ruby, elle a des médicaments pour sa fille qui coûtent très cher, et en fait la boîte de pilules coûte 10 000 $, quoi. Tu fais d'accord, ok, ça coûte une blinde, mais Annie c'est ses avocats et tout ça, donc en fait ils ont besoin de 30 000 $. Et donc ils braquent la banque. Enfin, ils braquent pas la banque, ils braquent le supermarché. Et en fait, c'est comme si elles braquaient une banque. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 000 $, eh bien, elles ont bien plus. Et sauf que cet argent-là, c'est pas un argent très propre. Et de là, on tombe sur cette fameuse chute dans le crime. Et elles vont découvrir d'autres aspects de leur personnalité, d'autres façons de voir un peu, mais un peu comme Walter White, qui au bout d'un moment, même s'il fait des choses illégales qui les fait flipper et qui fait peur, il y a un petit plaisir à faire tout ça. Donc franchement, la série est vachement bien, c'est amené sur tout le long, c'est guidé sur le truc, c'est putain de bien fait, c'est propre, l'univers est cool, l'ambiance musicale est bien amenée. C'est juste de la musique d'accompagnement, c'est pas de musique ouf qui dit waouh, putain, la bande son est gueudin. Non, la bande son, elle fait qu'accompagner, c'est plutôt propre, même c'est même ultra subtil à ce niveau là les personnages sont ouf, même les personnages masculins sont bien. Alors malgré le fait que le mari de Beth Boland soit un gros connard qui l'ait trompé et qui est perdu tout son argent et qui est foutu de la famille dans la merde, ça reste quand même un gars que, bon voilà, il est juste paumé, quoi. C'est pas un mec qui a pas mauvais fond. Tous les hommes, en fait, dans ces trucs là n'ont pas mauvais fond, à part peut-être le méchant gangster à qui appartient l'argent, Monsieur Rio, qu'on voit dès le début, hein, d'ailleurs, qui lui est plus ambigu, mais encore, on sait pas s'il a mauvais fond ou pas, tu vois. Tout est joué sur ça, en fait. T'as, en fait, cette chute dans le crime a un côté acidulé, en fait, ce qui fait que elle tombe dedans, mais t'as l'impression que c'est naturel et que waouh, c'est une super opportunité professionnelle, en fait, tu vois. T'as un côté, voilà, vraiment un truc où c'est... Ben tiens, c'est bien, ça peut nous aider, quoi. Et t'as toute une chute, et ça a des trucs qui sont graves, qui arrivent derrière et tout ça. Surtout, entre autres, avec le Leslie, le patron de la supérette, qui a une vraie raclure de merde, une vraie pute. Lui, par contre, c'est la personne là, irrattrapable. Même le criminel gangster Rio, là, qui est à côté, a un côté plus humain que ce fils de... Enfin, voilà, merde, ce méchant, quoi. Non, franchement, super bonne série, j'étais surpris. C'était vachement bien, quoi. J'ai consommé ça d'une traite. Donc, si vous aimez bien encore les mélanges des genres, si vous aimez bien prendre un peu de ça, puis les mettre ensemble, puis faire en sorte que tout s'associe bien. Franchement, cette série va vous faire bader. Elle est sortie il y a vraiment pas longtemps en France. Penchez-vous dessus. Alors, je pense qu'elle est trouvable en streaming. Elle est trouvable aussi elle est sur Netflix. Si, j'ai appris que cette série faisait partie du même univers que deux autres séries que j'avais kiffé, par contre, à l'époque, que j'avais bien aimé. C'était Superstore. C'était une série où tu suivais le quotidien d'employés d'un magasin, le Cloud 9. Et d'une série, c'est The Mindy Project, qui était, tu suivais cette fois-ci, le quotidien d'une meuf qui cherchait à s'épanouir, trouver un mec, à vivre heureuse et tout ça. Et en fait, découvert que c'est les mêmes producteurs qui sont plus ou moins affiliés à ces séries-là, et Good Girl fait,
partie de cet univers-là. Alors, pas géographiquement, parce que géographiquement, Good Girl se déroule à Détroit. Mais franchement, ça augure vraiment des trucs intéressants pour la suite. Parce que bah, y a une saison 2 qui est en production. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison, mais la saison 2 est en production. La fin de la saison 1, je dirais pas, mais ça finit sur un climax qui est assez fat. Un peu rapide, je pars du principe que c'est pour mieux ouvrir une saison 2 qui va être encore plus ouf et qui clôturera plein de choses. Mais franchement, bonne série, n'hésitez pas à aller la voir, à vous pencher dessus, ça mange pas de pain. En tout cas les gars, si cette série vous intéresse, n'hésitez pas à aller la checker. Enfin, faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vos faits et gestes. C'était Ritvo pour cette LCR, je vous dis à plus. Je vais continuer à affronter cette canicule, essayer de pas mourir de chaud. Je vais me mettre en slip de ce pas, comme ça je pourrai affronter la suite de la soirée avec aisance. Allez, à plus les gars et à une prochaine vidéo.